Un foyer sur deux à New York possède un chien et ils sont de plus en plus cajolés. Alors quand il est question de partir en vacances, si notre compagnon à quatre pattes ne fait pas partie du voyage, il est gardé ici par un pet sitter à son domicile ou alors dans une garderie spécialisée que l'on pourrait appeler hôtel pour chiens. Comme c'est le cas ici chez Dogma, en plein cœur du quartier très prisé de West Village. Sa fondatrice June a eu l'idée de créer ce lieu en 2016 car elle-même cherchait un endroit sûr où laisser ses deux petits chiens quand elle partait travailler. Here in New York, a lot of people live in a small apartment, including myself. It is important for them to have a social activities and then also friends outside of the home. And then that's what the Dogma does here. Les chiens, ils sont les animaux sociables. Alors, si ils restent dans la salle ensemble, comment on dit en français, surveillés, avec le pack leader. Pack leader, c'est humain qui regarde les chiens. Il y en a toujours minimum deux personnes dans la salle, par salle. En général, ils restent très sages ensemble et ils sont rentrés chez eux très satisfaits et plus important qu'ils sont très fatigué. Oh, c'est ça. Garderie à la journée ou avec nuitée. Et pour que le séjour soit des plus agréables, de nombreuses activités sont proposées. Balades en extérieur, toilettage ou encore cours d'agility. I'm basically like a second pair of eyes for them, so I have to watch out that they're not fighting, that they're not really like doing things that they're not supposed to, or you know, eating stuff off the floor. I'm also the agility class instructor. So what that is like it's an agility course where there's like different obstacles that we make dogs go through. So there's like cones and like weave poles, and there's like little obstacles that they can jump through. So if they're sometimes struggling to like listen or pay attention, the treats usually help. Hey, everybody. J'ai déjà des expériences avec des chiens sur Bordeaux, en France. C'est un travail que je voulais réaliser en venant ici aussi pour pouvoir me faire une expérience professionnelle dans ce milieu-là, afin par la suite peut-être de continuer en France ou de passer une formation à voir. C'est un secteur qui est en voie d'évolution en France et qui est moins développé qu'aux États-Unis en général. Les chiens sont gardés ensemble sans cage jour et nuit. Et pour que tout se passe sans accroc, tout a été prévu. Ils sont nourris séparément et peuvent avoir des temps de repos individuels. Chaque chien est surveillé avec attention. Just being here and working with pups, everyone here really cares about their job, they care about what they do. And it just translates with everything that we do. Pour assurer les propriétaires, les aventures des toutous sont filmées en live à l'aide de webcams durant la journée pour toujours garder le lien, même à distance. Et chaque jour, un compte rendu est envoyé par email. De véritables vacances 5 étoiles qui assurent amusement et sociabilisation pour les chiens et une solution rassurante pour les maîtres.